Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler du sport aujourd'hui, nous allons parcourir les pays africains représentés aux Jeux Olympiques de Tokyo. En parlant des grandes messes du sport mondial, les Jeux Olympiques en font partie. A contrario des autres compétitions internationales qui n'incluent qu'une seule discipline, cette dernière comprend une multitude. Malgré le fait que ces jeux soient aussi anciens que la Grèce antique, Charles-Pierre de Freydis, baron de Coubertin, est reconnu comme le père de sa version moderne et son but qui était d'unir plusieurs peuples sous la motivation sportive a réussi. Dans notre contexte bien africain, l'année 1904 est une année historique car elle marque la première participation d'Africains noirs à ce grand rendez-vous avec les Sud-Africains Len Tao et Mashiani comme athlètes. Au fil des années, malgré sa faible participation due au manque d'appui, le continent continue d'envoyer des braves athlètes et de plus important, voire capital de mentionner que durant les JO de 2016 au Brésil, les fils de Mama Africa ont remporté 45 médailles pour le continent. Aujourd'hui, au nom de l'actualité, nous vous offrons la liste des pays africains représentés aux Jeux de Tokyo et leurs porte-drapeaux. On y va? L'Afrique du Sud, le pays arc-en-ciel est bien et bien, je reprends, le pays arc-en-ciel est bel et bien représenté et a vu son drapeau porté par Fumelela Lufolo-Mbande qui participe dans la discipline de judo et Tchad le Clos qui fait de la natation. L'Algérie, avec comme porte-drapeau Amel Melli qui compétira en natation et Mohamed Flissi qui représentera le pays en boxe. L'Angola, avec Natalia Santos qui sera dans l'équipe de handball et Mathias Motino qui fera de la voile. Le Bénin, avec Nafissat Radji qui compétira en natation et Privel Hinkati qui représentera le pays dans la discipline d'aviron. Le Botswana, avec Amantle Moncho qui participera en athlétisme et Rajab Utokile Mohamed en boxe. Le Burkina Faso, avec Angelica Ouédraogo qui fera de la natation et Hugues Fabrice Zongo qui sera dans la discipline d'athlétisme. Le Burundi, avec Ornella Habyarimana qui représentera son pays en boxe et Bélic Résus Ganira qui fera de la natation. Le Cameroun avec Joseph Emilienne et Sommet Tiako qui sera en lutte et Albert Mengue Aissi en boxe. Le Cap-Vert avec Djaila Pina en natation et Jordyn Andrade en athlétisme. La République centrafricaine avec Chloé Savourel en porte-drapeau qui participe en natation et Francky Mboto en athlétisme. La Côte d'Ivoire avec Marie-Josée Talou qui sera représentante en athlétisme et Cheikh Salah Cissé en taekwondo. Les Comores avec Ahmed Elna en athlétisme et Fadan Hamadi toujours en athlétisme. Le Congo avec Natacha Ngoye Akamabi en athlétisme. La République démocratique du Congo avec Marcela Sakobi Mout qui participera en boxe et David Chama Mwenekwebe aussi participant en boxe. Djibouti avec Aden Alexandre Hussein qui participera en judo. L'Égypte avec Hedaya Waba est en porte-drapeau et participera dans la discipline de taekwondo. Et nous avons aussi Alaeddine Abuelkacem qui représentera le pays des pharaons en escrime. Puis nous avons l'Eswatini qui a vu son drapeau porté par Robin Young qui participera en natation et Tabiso Dlamini qui fera de la boxe. L'Éthiopie a eu son drapeau porté par Abdel Malik Mouktar qui participera en natation. L'Érythrée s'est vu porter son drapeau par Nazret Weldou qui représentera l'athlétisme et Germania Ephrem qui compétira en natation. Le Gabon avec Aya Girard de Langlade Mpali qui participera en natation et Anthony Milan Obame en taekwondo. La Gambie a malheureusement pas communiqué l'identité de son porte-drapeau. La Guinée-Bissau avec Tassiana César en judo et Augusto Midana qui participera en lutte. La Guinée équatoriale avec Alan Bonchama qui participera en athlétisme et Benjamin Nzema aussi en athlétisme. Le Kenya qui aura comme Mercy Moim qui sera dans l'équipe de volley et Andrew Omonde qui sera dans l'équipe de rugby à 6. Le Lesotho dont le porte-drapeau n'a pas été communiqué.
Le Libéria avec Ebony Morrison qui participera en athlétisme et Joseph Phan Boulet toujours en athlétisme. La Libye avec Alhucine Gambour qui participera en aviron. Madagascar avec Damiela Ndjamena-Harary qui fera du judo et Eric Herman Andriatiso-Hainay qui fera de l'haltérophilie. Le Malawi avec Jessica Mwakwenda qui fera de la natation et Areneo David qui fera du tir à l'arc. Le Mali avec Seydou Fofana qui fera du taekwondo. Le Maroc avec Oumaïma Belhabib qui fait de la boxe et Ramzi Boukiam qui fera du surf. L'île Maurice avec Marie Hantitra Roilia qui sera en haltérophilie et Louis Richarneau qui compétira en boxe. La Mauritanie avec Houleye Ba qui participera en athlétisme et Abedine qui sera aussi en athlétisme. Le Mozambique avec Radi Adosinda German qui fera de la boxe et Kevin Lefort qui participera en judo. La Namibie avec Mikey Dijkman qui participera en aviron et Jonas qui sera dans la discipline de boxe. Le Niger avec Rokhaya Moussa Mohamed qui sera en natation et Abdul Razak Issoufou Alfaga qui performera en taekwondo. Le Nigeria avec Odunayo Folasade Adekoroye qui sera en lutte et Kwadri Aruna qui compétira en tennis de table. L'Ouganda avec Kirabo Namutebi qui participera en natation et Shadiri Bogi qui participera en boxe. Le Rwanda avec Alphonsine Agozo en natation et John Hakizimana en athlétisme. Sao Tomé et Principe avec Jamila Tavares en athlétisme et Bouly de Conceição Triste en canoë de sprint. Le Sénégal qui avec en porte-drapeau Jeanne Boutbien en natation et Banique Diaye en judo. Les Seychelles avec Félicity Passon en natation et Rodney Givenden en voile. La Sierra Leone avec Maggie Barry en athlétisme et Frédéric Harris en judo. La Somalie qui avec en porte-drapeau Ramla Saïd Ahmed Ali en boxe et Ali Ido Hassan en athlétisme. Le Soudan avec Esra Mohamed en aviron et Aboubakr Abbas en natation. Le Soudan du Sud avec en porte-drapeau Lucia Maurice qui participera en athlétisme et Abraham Gwem aussi qui participera en athlétisme. La Tanzanie, dont l'identité du porte-drapeau n'a malheureusement pas été communiquée. Le Tchad avec Demos Memloum qui brillera en judo et Bachir Ahmad Mahamat qui aussi participera dans la même discipline. Le Togo avec Claire Avillon qui sera dans la discipline d'aviron et Dodji Fani qui jouera au tennis de table. La Tunisie avec Inès Boubakri en escrime et Mehdi Benchek en volley. La Zambie avec Tilka Palsch qui participera en natation et Evaristo Mulenga en boxe. Le Zimbabwe avec Donata Katia en natation et Peter Purcell Gilpin en aviron. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que nous vous avons donné de amples informations, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Bye!